grand reportage sur le mondial du bâtiment à suivre sur Bâti Radio en partenariat avec 3CA BTP. Eh bien bonjour, je m'appelle Jérôme Carraz, je suis compagnon charpentier au sein de l'association ouvrière des compagnons du bois et je suis également responsable de l'Institut de la charpente et de la construction bois. Aujourd'hui, nous sommes ici à Batimat, porte de Versailles à Paris, avec l'exposition Notre-Dame de Paris, l'art de la charpente. Nous sommes ici pour mettre en valeur, en lumière, tous les savoir-faire de notre beau métier de charpentier. Ceci, on le fait grâce à l'aide du 3CA BTP, de l'agence Jour de Marché et du salon Batimat. Cette exposition, elle a vu le jour suite à l'incendie de la charpente de la cathédrale. Vous pouvez donc admirer toutes ces maquettes qui présentent le métier sous ses facettes, d'évolution, puisque la charpente de Notre-Dame, c'était pour nous, hommes de métier, un livre ouvert. Depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, il y avait plus de 6 siècles d'évolution de notre métier de charpentier qui était vraiment accessible. On aurait bien aimé que tous les charpentiers de France puissent la visiter avant. Cette exposition, elle présente tous les savoir-faire mis en avant par 15 jeunes compagnons et accessoirement 3 jeunes anciens, je dirais, qui en 1970 avaient réalisé la flèche que vous voyez derrière moi. Et ceci avec l'aide également des bénévoles qui œuvrent au quotidien au sein de l'association ouvrière des compagnons du bois. Cette exposition, c'est environ 20 000 heures de travail bénévole et 10 000 heures de travail salarié. Chez nous, ce qu'on appelle travaux de réception, ce sont des jeunes compagnons qui réalisent leur chef-d'œuvre. Et ces travaux de réception, ils les font pour devenir compagnons du bois. Nous avons pour cette occasion fait un partenariat avec l'école de Chaillot qui forme les architectes à la spécialité du patrimoine. On vous accueille sur notre stand des compagnons du bois. Nous sommes sur le hall 2.1 de Batimat et nous sommes bien là pendant les 4 jours de Batimat. Nous vous attendons impatiemment pour vous faire découvrir toutes ces belles maquettes et toute cette belle exposition.